Connaissez-vous Masai Ujiri? Bon, le président des Raptors de Toronto est réputé pour être l'architecte de l'équipe championne de la NBA en 2019. Mais au-delà de ça, que savez-vous vraiment de lui? Eh bien, vous serez peut-être surpris d'apprendre que le Nigérian est le premier et seul Africain à ce jour à être directeur général et président d'une équipe dans l'une des quatre ligues sportives majeures en Amérique du Nord, soit la NFL, la NBA, la MLB et la LNH. Le sort du continent africain lui tient à cœur et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y mène son projet le plus ambitieux depuis 20 ans maintenant. À travers son organisme Giants of Africa, il offre des camps de basketball tous les étés pour inspirer les jeunes. On l'a rencontré au Rwanda cet été pour qu'il nous partage davantage sa vision pour le continent. I think the sky is the limit for these kids, you know, but we're just trying to use basketball as a tool in some kind of way to grow and be bigger. Hopefully it gives these kids an opportunity. And it's through this game, you know, we're growing here. We hope that we continue to get better and give more opportunity. I always come back to that. Masai Ujiri et Giants of Africa ont déjà tenu des camps dans 17 pays d'Afrique différents. Et en 2021, ils se sont engagés aussi à construire 100 terrains de basketball à travers le continent. Ils en ont déjà bâti 29 à ce jour. L'objectif, inciter et motiver les gouvernements d'Afrique à investir davantage dans le sport pour qu'un jour, il y ait plus d'Africains comme Masai à travers la NBA et ce, à tous les postes. En attendant, le président des Raptors assure qu'il va continuer de donner l'exemple. Son équipe est d'ailleurs la plus africaine de toute la NBA avec ses nombreux représentants du continent sur le terrain et en dehors.